Et puis nous allons voir ensemble ce que le Seigneur a réservé pour l'édification de notre âme. Nous lisons au 16e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, du verset 13e au verset 20e. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et voici le verset sur lequel je vais attirer votre attention ce matin. Le verset 19e. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Devant nous là, nous gagnons un passage assez intéressant. Jésus-Christ est à Césarée et dans cette zone, il formula une question aux disciples. Il posait une question. Il dit comme ça: qui moun nou tande yo di miye? Même Jésus, qui moun nou tande yo di miye? Et l'évident pour nous-mêmes qui sont les passages, ça, tout disciple qui peut répondre, il dit comme ça: il y a un monde qui dit ou c'est Jean-Baptiste. Vous connaissez Jean-Baptiste, t'es un temps mouru. Mais il y a un qui était mal défini l'identité Jésus et Jean-Baptiste. Et si nous ne comprenons pas pour qui ça, il y a un monde qui dit que Jésus c'est Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste te dit à bouche pâle que il n'est pas Jésus. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Disciples répondent: tout le monde qui dit que c'est Élie. Ou c'est Élie. Le monde dit que Jésus c'est Élie. Maintenant, nous avons affaire à des gens qui croient en la réincarnation. Élie, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Comment comprendre que Jésus-Christ soit Élie dans le Nouveau Testament? Mais si il y a un monde qui te croit que peut-être Jésus-Christ est une réincarnation du prophète Élie, tel que nous le connaissons dans l'Ancien Testament. Et puis, Gang dit comme ça: les autres, Jérémie, vous avez causé? Ou l'un des prophètes. Et si, réponse, yo baye concernant Jésus, yo baye fondement. Yo baye fondement. Puis dans verset 15 là, Jésus-Christ transpose question. Li fin de yo, qui laisse nous tende yo, dit que mien? Qu'on y a Jésus-Christ dit yo, et nous-mêmes, qui nous dit que bien? C'est deux questions, oui. Qui ça yo dit, et qui ça ou dit, qui ça nous dit? Et puis, lorsque Jésus-Christ posait à disciples question ça, ce n'est pas eux tous qui répondent, c'est seulement Pierre qui répond. Dans la première question, tout te répond, mais dans la deuxième question, c'est Pierre seulement qui répond. Pierre dit comme ça: tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Pas oublier, mot Christ, ça veut dire celui qui est loin, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu envoie pour sauver l'humanité, le Messie. Pierre dit: tu es le Christ, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et même côté Pierre, ma réponse là, Pierre a trouvé la vraie réponse. Jésus prend la parole et dit Pierre comme ça: tu es heureux, Simon. Et ce mot heureux veut dire béni. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Il dit: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, c'est pas connaissance humaine, c'est pas de profond que vous avez une réponse à ça.
Il dit Simon comme ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui-même qui boit réponse ça comme un moyen là. C'est lui révélé au lit. Puis sous base déclaration, Pierre là, Jésus-Christ dit Pierre parole ça yo. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Là, un jeu de mots. L'église catholique croit que l'église est bâtie sur pierre. Parce que Jésus-Christ a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et maintenant, dans le grec, Jésus-Christ dit à Simon, tu es Pétros, tu es Pétros. Pétros, c'est le nom personnel d'une personne. Tu es Pétros, on t'appelle Pierre, mais je vais bâtir mon église sur moi, le Pétra. Et si le jeu de mots, non, Jean-Jésus-Christ parle à Pierre, il dit Pierre comme ça, tu es Pétros, mais je vais bâtir mon église sur le Pétra. Alors, Pétros, dans le grec, là, son petit roche, son petit caillou. Pétra, dans la langue grecque, son gros roche. Jésus-Christ dit Pierre comme ça, où sont six roches? Mais même pas bâtir l'église, rien. Sous gros roche là. Et au fond, qu'est-ce qui gros roche là? C'est Jésus. Sous tes là, lorsque Jésus-Christ tape dit Pierre ça, ou tape Jésus-Christ dit Pierre comme ça, tu es Pétros, mais je vais bâtir mon église sur moi, le Pétra. Gros roc solide là. Gros roc, dans Somme 118, Samista fait référence à Jésus-Christ parce qu'il dit comme ça, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient comment est devenue la principale de l'angle. Ça fait référence à Jésus. Et puis c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Et puis il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ainsi, l'église Jésus-Christ n'a pas bâti sous pierre. Tant que le catholicisme enseigne que l'apôtre Pierre c'est le premier pape. Non. Jésus-Christ a construit son église sur lui-même, le Pétra, le rocher des siècles. Et puis, lorsque Léphine dit Pierre ça, il dit Pierre comme ça, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église, mon église là-même, pas oublier, moi, Ecclesia, dans culture à l'époque, ils ont assemblé politique, ils ont réuni Ecclesia, son groupe monde qui rassemblait pour faire politique. Il y a un club artistique à l'époque, il y a un ecclésia, il y a un groupe de monde qui mettait à côté pour occuper de ça. Mais Jésus-Christ dit, lorsque je fais déclaration ça, je vais faire propre ecclésia, je vais mettre propre groupe de monde parmi eux ensemble. Je vais faire l'église. Ecclésia, il dit, ekaleo, c'est le mot grec là, il y a un groupe de monde que bon Dieu a appelé hors de ce monde, il retire eux, pour qu'ils viennent vivre pour lui, pour qu'ils viennent parler là. Et l'homme monde où c'est groupe l'église, son monde d'abord, bon, mon définition de l'église, l'église est la société de Dieu. Aussi simple, l'église est la société de Dieu. C'est côté groupe de monde bon Dieu, ils font mon corps. Et lorsque on a parlé de l'église, pas oublier, la Bible a parlé concernant l'église locale, tant que côté nous réunis là, non local. La Bible a parlé concernant l'église universelle. L'église universelle, c'est l'église invisible qui est là dans le vrai monde qui sauve. L'église locale, il y a là dans le monde qui sauve. Il y a là dans tout le monde qui n'est pas sauvé. Parce que n'importe qui doit rentrer dans le local, là, le chita. Mais est-ce que le monde a sauvé? Ça, c'est son autre réflexion. Pas oublier. Ou te mettre te un pasteur pour Jésus, même sous le groupe des 12, tant que disciples, ça n'a pas empêché qu'on ait un Judas. Ce n'est pas parce qu'on a un groupe Jésus pour tout sauver. Automatiquement, parce que Judas, c'était le fils de la perdition, et il était dans le groupe. Et qui est-ce qui était dans la tête yo? Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église, et puis, quand on parle de Jésus-Christ là, il dit Simon, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, l'église moyen que m'a bâti à même l'enfer pap kakrazel. Une nouvelle pour ou te mettre ouais que monde dans lequel n'a vive là de plus en plus monde hostile à l'évangile tant qu'il y a disparaître l'église sous terre, ou pas besoin inquiéter, ça va pas jamais fait. Non, j'ai pensé à. Et en pile figure de l'histoire et surtout à Rome, tu fais tout ça yo capable pour effacer l'église. Mais l'église est toujours là. Parce que une promesse qui te dit les portes du séjour des morts qui ça ne prévaudront point contre elle.
Et puis, lorsque Jésus-Christ finit dit Pierre ça, c'est verset ça qui attire l'attention. Jésus-Christ dit Pierre ça, je te donnerai les clés du royaume des cieux. On nous dit clés. Oui. Les clés du royaume des cieux. Il dit Pierre ça, sors marié à terre, va marier en l'air, dans le ciel là. Sors démarrer à terre, va démarrer qui est ça, dans le ciel là. Et. Il dit Pierre ça. Mais puis devant, et pas Pierre seulement qui recevra promesse ça, disciple tout, l'autre disciple recevra promesse ça tout, parce que l'autre lit Matthieu 18, verset 18, puis devant, qui sont les disciples là, ça, tout y a parlé. L'autre a parlé à Pierre, il dit quoi, je te donnerai les clés, son marin, bas marin, son démarin, bas démarin, et l'autre lit Matthieu 18, verset 18, Jésus qui fait déclaration maintenant aux disciples. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera comment délié dans le ciel. Et puis c'est dans le même passage, ça, Jésus-Christ dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés comment en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ça qui attire l'attention, nous, tournez dans Matthieu 16, là, verset 19, là, c'est lorsque Pierre reconnaît que Jésus-Christ est le Christ, Jésus-Christ balle ça. Il dit comme ça, eh bien, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est ça qui est sujet mon matin, oui, les clés du royaume. Les clés du royaume. Et il y a deux bagailles dans verset ça, clé et royaume. On prend le royaume d'avant. C'est bien important pour nous tous réaliser que bon Dieu est un royaume. Royaume bon Dieu, les physique et les spirituel. Sous traverser le premier ciel ça matin, ça n'est le ciel atmosphérique, côté oiseaux volés, côté avions volés, ça c'est le ciel atmosphérique. Si après le ciel atmosphérique, vous traversez le deuxième ciel là, ça veut dire le ciel galactique, côté galaxie, côté planète, vous comprenez qu'est-ce dans le troisième ciel là? Et c'est là mon Dieu, le troisième ciel là, c'est là mon Dieu. C'est le ciel de la majesté de Dieu. Côté que Séraphin, chérubin, après les temps qu'on dévoile dans la vision, Isaïe, te fait dans Isaïe 6, Saint, comment l'Éternel les armées, toute la terre remplie de sa gloire. Mon Dieu, c'est roi, les grands royaumes, les grands armées. Bon, tout en appelant l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et, gagnons, cour suprême dans le royaume. Ce n'est pas neuf membres qui gagnent comme. La Cour suprême des États-Unis, c'est trois membres qui gagnent. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Genèse 11, lorsque les hommes t'ont formé, t'ont bâti ensemble la tour de Babel, c'est avec les ziggurat, en hébreu, qui veut dire un temple pour consulter les astres et en tirer des pronostics. Son niche diable que l'affaire. Lorsque dans Genèse 11, bon Dieu, ouais, ça, et la Trinité, la Cour suprême de l'univers, font réunion. Et puis leur réunion terminée, et une décision qui prend, et d'après décision, mais c'est avec exécuté, ils disent ça, allons, descendons, confondons leur langage. Bien aimé, écoutez bien, quelle que soit la Cour suprême, ou est qui est érigée dans quelques pays sur la terre, gagnons seule Cour suprême universelle. C'est la Cour suprême de Dieu. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu domine sur les nations, il domine qui est ça sur la terre. C'est peut-être ça, la Bible a fait connaître que dans Somme 46, lorsque Jésus-Christ mettait pied sous terre, tout en nous appelons Somme 46, nous lisons, nous méditons sur lui-même, mais on partit dans Somme 46 qui peut accompli. Bible a bon nous lisons, tellement l'a pas accompli, Bible a été mis au passé, mais elle peut arriver. Vous comprenez ça? Bon Dieu, prêt à le faire. Bon Dieu, tellement qu'on est que l'a fait, il a été mis au passé, tant qu'il est arrivé alors qu'il peut arriver. Somme 46. Aussitôt que Jésus-Christ mettait bien sous terre, dans le contexte de son règne millénaire, ça, son étude spéciale, première parole que l'a dit, premier acte que l'a posé, son désarmement général. La Bible a fait qu'on est dans Somme 46, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ça, c'est désarmement, oui. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Qui c'est encore? Il a consumé par le feu les chars de guerre. Ça, c'est désarmement total. Et pas ZAM qui a pas de problème. Eh bien, Jésus qui a bien désarmé tout le monde. Ça dit qu'on a une grosse âme nucléaire. Ça dit qu'on a une grosse âme chimique. Ça dit ça. Et moins gros nègre. Pas que je dois faire ZAM. C'est moins que je dois faire ZAM. Ça dit même ma fait tout. Sous gros nègre ou qu'a fait ZAM. Mais même pas qu'a fait tout.
qui doit pour faire même pas à faire. Et bien, c'est guerre ça nous gagne dans, c'est problème ça nous gagne dans ce monde actuel, mais Jésus-Christ viendra exécuter le désarmement total. Lorsque le film désarmé tout le monde ça va faire gros âme, mais qui ça discours l'a dit? Arrêtez, sachez que je suis qui ça? Dieu, je domine sur les nations, qui ça encore? Je domine sur la terre. Vous pouvez comment y aurait le nom dans Somme 46? L'Éternel des armées est avec nous. Regardez, l'homme ou a prié, changez vocabulaire. Alcôte, bon Dieu dit Éternel des armées, qui ça, moi, vingo? Moi, vingo, côté, dit Éternel des armées, même, mes cougnats, moi, levé devant, ou même qui c'est bon Dieu qui gagne tout pouvoir, ou même qui c'est bon Dieu qui c'est roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, ou même qui est avec moi, hein? Vine dem, vine secourim, parce qu'il est, l'Éternel des armées. Ainsi, sous base sans sot li là, Jésus-Christ dit Pierre comme ça, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai qui ça? Mon église, et puis il dit comme ça, je te donnerai les clés du royaume, du royaume des cieux. Suite à une entrevue que Jésus-Christ a eu avec ses disciples, Jésus leur promit de leur donner les clés du royaume des cieux. Et, clé ça, yo, qui est Jésus-Christ te baillou? Lorsque il a dit clé, c'est clé. Qui est le baillou clé? Mais clé ça, yo joint disciple, yo joint clé après Jésus-Christ ressuscité. Ma li verset ça pour même. Ou pas besoin de tourner là-dedans. Dans Apocalypse 3, verset 7, s'adressant à l'église de Philippe, Jésus-Christ dit, parole là dit comme ça, voici ce que dit le Saint le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'apôtre Jean, dans vision, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre ce roi, le livre de l'Apocalypse pour l'écrire, Jésus-Christ paraît à l'apôtre Jean, livre de l'apôtre Jean, parole ça, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelques bagages de noter rapidement, ça capable de porter un petit éclaircissement pour même lorsque Jésus-Christ dit comme ça, ma bonne clé. Et clé, ça, c'est pas Pierre qui va recevoir. Pierre recevoir, disciples recevoir, et qui sont encore? Et nous-mêmes, chrétiens qui vivent dans la dispensation de la grâce, nous recevons la clé à tout. Écoutez, qui est Jésus-Christ dit Pierre, ma bonne clé? Aussitôt que Pierre dit comme ça, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Depuis Pierre te reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus qui dit comme ça, je te donne qui ça? Les clés du royaume. Regardez. Depuis où nous recevons Jésus Christ comme sauveur, comme Seigneur, ou confesser Jésus Christ est sauveur, de pourquoi que vous êtes pécheurs, qui perdu, qui condamné, qui sans espérance, et vous dites Seigneur Jésus, sauvez-moi, bon la vie qui va me finir, écrit nom dans le ciel là, bon force pour marcher avec vous, pardonnez-moi de tout péché, voyez cet esprit où habiter dans la vie, faites-moi une pitié tout, depuis vous dites ça à tout cœur, à tout nom, à toute force, sincèrement, Bible a dit, ou né de nouveau, ou né de nouveau, quand on est de nouveau, tellement c'est vrai, ou pas lire dans Jean 3, dans Jean 3, vous voyez, il tourne là-dedans, il m'a appelé le vous-même, dans Jean 3, Jésus-Christ est en conversation avec Nicodème. Jésus-Christ dit Nicodème comme ça, dans Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis, plus devant, dans Jean 3, verset 5, Jésus-Christ dit Nicodème comme ça, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Regardez bien, oui. Pour entrer en côté, il faut qu'il y ait clé. Qui l'a une clé qui autorise à entrer dans le royaume? Il faut quoi? De pour quoi dans Jésus-Christ? Eh bien, ou gain droit pour entrer. N'importe qui l'ouvre sur le royaume. Nan. Ou quand on a regardé dans quelque administration, dans quelque côté entré, ou on porte, on va rentrer. Non? D'ailleurs, il y a marqué n'importe, là, mais on va y avoir pour entrer. Je dis authorize personnel only. Ou quand on va rentrer. Non seulement ça, tout, si c'est pour pas y mettre qui nous va rentrer, ou est-ce que porte là, gagnon outil là-dedans, il faut pas son cap là-dedans, gagnon. Yon cadenas ou bien yon lock numérique, gon code pour entrer, autrement pas qu'à rentrer. Si tout faut essayer d'entrer, ou abdéa, c'est même qui autorise seulement. Bien, écoutez bien. Ou quand qui est-ce qui fait entrer dans le royaume de bon Dieu? Ça, c'est la Bible qui a parlé. C'est monde que Jésus qui s'autorise. Si Jésus qui n'est pas autorisé, ou pas qu'il droit à royaume, non. Et l'offre prend Jésus Christ comme sauveur, Bible a dit comme ça.
il faut que publiquement vous confessez le nom de Jésus. Regardez, Romains 10, verset 9, 10, fait qu'on est que le salut a un aspect privé, il a un aspect public. Aspect privé a dit comme ça, si tu confesses de ta bouche, alors ça c'est public là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, après ça dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si pour nous sauver, il faut confesser avec bouche, ça c'est pas public là. Il faut confesser avec cœur, ça c'est pas privé. Mabdou, même si tu es prié dans le cœur, ou tu dis Seigneur Jésus, m'en pour sauver, bon la vie, voyez cet esprit ou non moins, même si tu fais ça dans le cœur en privé, Bible a exigé, il faut aller devant une assemblée, publiquement pour camper, pour dire tout le monde, désormais, moi prends décision pour marcher avec Jésus. Il n'y a pas de bagaille qui est simple, mais Bible a exigé. Jésus qui dit comme ça, sous honte confesser devant les hommes, ma pour honte confesser devant qui ça? Papa qui est dans le ciel là. Une nouvelle pour moi-même. Parole, ça c'est pas parole. Moi, demandez mon Dieu. Si il y a un monde qui n'a pas gagné Jésus comme sauveur, pour que parole que Abdoula là, là, je nous donne une flèche qui perd ses cœurs. Pour qui raison? Gros moment arrivé, faut dire comme ça. Qui le m'a recevoir Jésus Christ comme sauveur? Parce que c'est l'ordre avec tout cœur, sincèrement, cet esprit, mon Dieu, rentrer dans la vie, pardonner mes péchés, sauver, même si on a une bonne parole sous mon Dieu, belle parole, il n'y a pas bon droit pour entrer dans le royaume de vous. Même si on est ou qu'a dit comme ça, oh bon Dieu, son grand Dieu, il fait un pile pour moi. Ah, je crois dans Jésus, mais même, Jésus son monde qui est avec moi. Voilà les bagailles bon Dieu fait pour moi. Et pour bon Dieu, par on aime. Mais même tout miracle bon Dieu fait dans la vie, c'est preuve que bon Dieu qu'on aime. Vous bien, miracle bon Dieu fait pour yo, li bien positif que le fait pour yo, parce que bon Dieu son bon Dieu. Li fait soleil lever sous le ça. Sous bon comme sous méchant. Li fait soleil lever sous monde qui converti et tant que monde qui pas converti. Mais moment arrivé qu'on y est exceptionnellement peut-être pour même pour dire comme ça bon matin ce matin quand que publiquement m'bref fait et les anges des cieux et la Trinité céleste et monde qui sous terre connaît que désormais c'est Jésus Jésus ça bon Dieu qui ça m'a marché faut qu'on date même on capable dire moi te prends Jésus comme sauveur moi c'est petit pasteur là moi petit maman te prier pour moi même songe dans zone. Là, je suis 16-17 ans, malgré que je suis dans l'église, je me dis que waouh, je suis fait dans le privé, quand il y a fait le public, je suis allé dans le service, je vais prier pour moi. Et je suis en date même. Je songe, les papas m'ont baptisé. C'était le 28 juin 1981. Papa me dit, mon fils, crois-tu que Jésus est venu sur cette terre pour mourir pour tes péchés? Et avec ce baptême, prends-tu la décision de marcher avec Christ, de renoncer à ce monde pour vivre pour Dieu? Il me dit, oui, Père. Et puis, poum, il plonge. Il me dit, on date pour ça. Le 28 juin 1981, je me suis confessé publiquement et puis me plonger dans les eaux du baptême. Écoutez, on a qu'est-ce qu'on va parler là, quel que soit côtoyé. Il faut qu'on date, oui. Il faut qu'on date pour capable de dire ça, c'est là que ça a été prié avec moi. Il faut qu'on date pour capable de dire ça, c'est là que ça a été baptisé. Ou pas capable de suivre bon Dieu sous ma grande histoire. 307 français dit, quelle assurance je suis comment sauvé. Ou un frère dit ça, c'est mon cantique. Qui ça? Une question, vous, quand histoire. Ou même quand marche l'église, quand histoire. Histoire, c'est l'homme capable de dire ça. Mais qui l'aime te sauver? Mais qui l'aime te prier pour moi? Mais qui l'aime publiquement d'accepter Jésus-Christ? Histoire, c'est lorsque avec rate blanche ou sous même. Et puis, ou prend route et baptistère là, ou prend route bassin baptême non, et puis ou dans le pasteur à doux de la part de Dieu, est-ce qu'on renonce à monde ça pour vivre pour mon Dieu? Et vous dites oui. Et puis on dit ça, sous confession foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et engagement prend pour quitter toute la règle pour ce Jésus, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous plongez. Et puis là, retirez notre loi. Ou quand vous dites ça, vous prenez engagement pour mettre le monde là-dedans. D'homme. Et à chaque fois que il y a quelque bagaille qui vient frapper au sous tout pour aller dans le monde là, on songe histoire ça. Et histoire ça fait que même si comme l'enfant prodigue ou t'as quitté pied papa, mais histoire ça de ça, ou pas arrêter loin non, loin papa non, tourner en pied papa. Est-ce qu'on a avec matin? Et si à monde qui croit en Jésus, qui sait les foyers, Jésus dit comme ça, m'bloque le royaume là. Mais faut noter quelque bagaille avec vous. Qui sont fait avec une clé? Pas de monde là qui a une clé.
Ce sont les machines. Clé caillou, clé, on dit vous de fait. Et sous pas bail ça important, souvle quitter l'église là. Quitter clé machine ou l'église là et puis il prend autre poil la caillou. Quitter clé caillou l'église là. Regardez, clé, clé, clé. Si vous de fait. Qui agence yon façon pour fermer et puis pour l'ouvrir. Regardez, regardez bien et pas de signification clé gagné. Qui sont clés, vous dit? Une clé définit un accord. Lorsqu'on clé dans le monde, il définit un accord. Lorsqu'on a un appartement, il n'y a pas de bon clé à pas avoir payé. Ou payer le premier mois, ou bail déposite là, et puis bon clé à. Et depuis clé à, on savait dire, il y a un accord qui signe. Regardez, lorsqu'on a acheté un caille, lorsqu'on a un bail comme là, et down, et puis closing fait. Et pas de classe là, je vais courir là, je vais vous ça. Mais Cléa, gagne dans nous, Captain Cléa, là. Gagne dans nous, Anessa. Bon, qui aime tout faire professeur sur nous, qu'est-ce que nous là? Anessa, demande mon Dieu, pour qu'est-ce que nous là? Pour nous faire une clé comme ça. Alors, pas une clé comme ça, clé, ça pas une grosse clé. On voit ça, son clé, on t'imagine. Mais clé, caillou l'acheter. Clé, caillou, ou t'es rêvé, gagne. Mais c'est belle barre alors, l'on va signer pour faire closing ou puis bon, clé carreau de l'été. Ainsi, une clé définit un accord. On nous dit accord. When they hand you a key, it's a proof that a settlement has happened. Some type of agreement has taken place. Ainsi, une clé définit un accord. L'on a côté à bonne machine yo. Ou quoi mon yo ça? Ou qu'on a avec machine ou juste pour ranger. Pour yo font petit tune up. Puis côté ou aller pour faire petit tune up là. Gonne qui vient dans un yo. Ah, moi machine ou oui. Ou peut-être aller changer lui, refinance lui. Ou bien gagne un lag qui puis belle oui. Que ça gagne. Et puis lui même comme ça. You want to try it? Malheur ou soit try. De vous try it. Koto met. Et au sous-chaise là, on commence à dire ça, wow, pam nan pas bon, pam nan pas bon. Mais vous souge comme, go try. Mais si vous n'avez pas comme, try it, ou elle mette tête dans une situation difficile, tentation prend le frappe, ou comme même dire ça, même crédit m'a pris. Fom jwenni. Alors que sortez gagnant, pas gagnant, pas gagnant. Yo kon ça très bien. Des fois, yo commence à dire, yo montre l'idée, yo comme ça, you want to try? You want to try? Mais de pouvoir que si on dit, on va prendre son accord, oui. Une clé définit un accord. Gros deuxième bagage, nous noter. Une clé définit une autorité. On nous tout dit autorité. Autorité. Gardez, les heureux mettent yon clé. Son pouvoir, yon bon, oui. Son pouvoir, yon bon, oui. Yon clé, son pouvoir. Son pouvoir, oui. Ma bon, ou qu'on est yon bague, yon madame mette dans douette, marie la mariée. Yon bag, yon mari mette nan douan nan li lap marye. Son pouvoir moun nan, oui. L'on mette bag yon pouvoir, son pouvoir, oui. Yon lè engagement. Wedding. Son ring. Ou bay. Son pouvoir. D'ailleurs, l'échange la fait. Gon engagement ki fait. Pap, pap. Pour un engagement, il y a deux gages. Si il y a un gage pâle, monsieur a un gage pâle, et pour qui ça? Il y a un engagement. Si l'on prend un bac, ça mettez, je te prends pour mon époux, pour t'aimer, te garder. Gon mariage, ma fait, dame n'a pas comprendre ça, la fait. Dis pas qu'on est son pouce. Il y a une fille qui m'a entré en bas pour voir un garçon. Ça, quoi, là, oui. Sous qu'on n'a pas voulu entrer en bas pour voir mon parier, non? Parce que l'offre, il y a un bac, ça dit comme ça. Ma bon exemple là, mon n'y a pas qu'on est bas sérieux qui a fait. L'on fit marier ou entre en bas pour voir un garçon. L'on garçon marié, t'as bien, oui? Ou entrer. Ou entrer en bas juridiction. Yon fille. Qu'on y a ou pas qu'à vivre dans le coup. Nous sortons, personne ne va nous faire encore. Ou pas qu'à faire autour pour qu'on ait ces jeunes garçons et faire sauver. Parce que les deux devaient nous dire ça. Pour qu'on ait fouillé bagou et pour qu'on ait ces frères de vous.
C'est indépendant souvent, oui. Ou fait indépendance, oui. Ou dit que ça ne m'a pas dépendant encore. Je dépend de vous. Fia dit, je dépend de vous. Ou on dit, je dépend de vous. Et puis, vous mettez bague, oui. Gen qui va comprendre. On m'a yon d'a fait. Il c'est intéressant, la fait performance. Il dit, n'est-ce pas, je te prends pour mon époux, pour t'aimer, te garder, te chérir. Et puis, dans le qui s'est dit après, jusqu'à ce que la main nous sépare. On s'en jouait. Un gros acte pour ça, on a posé pour M. Moué. Acte ça tellement solennel. Acte ça tellement. Mon défend pile enquête. C'est l'école où on a allé, vous devez faire 4 ans. Ou étudier moun sa ko pral ba autorité a alors ko gen moun ki fè sou un mois gen moun ki fè sou une semaine mais par konnen que bag sa son clé c'est que ça une clé définie qui ça une autorité une clé définie qui ça un accord et ça clé fait oui et ça clé fait oui mais troisième bagage clé fait encore une clé définie un accès on te dit accès on te dit accord. Dis autorité, accès. Pour ça, on a une clé. Plouf, on l'ouvre, oui. On a accès. Sous ta sotte, n'importe qui n'est là, on a une machine, on l'ouvre, ou te fermes, tu as dit. Oh, fermez ma machine, mais. Qui est-ce qui l'ouvre? On dit, on va le passer. Ou bien, comment on a fait l'ouvrir? Parce que c'est la clé qui va ça. Accès à l'ouvre, ou qu'à l'ouvrir. Clé, c'est accès. Et puis, on a quatrième bagaille, clé définie. Une clé définit une action. Lorsqu'on clé ou qu'à rentrer, rentrer, beauté. Qui est-ce que tu n'as pas souhaité ça? Pour t'apporter la carrière de service là, pour un monde qui a beauté. Pour mon beauté carrément, ou la beauté meuble, beauté télévision, ou ça. Oh! Quand ça sorti par caillou? Qui action ça pour poser le caillou là? Alors, il y a une clé définit ça. Une action. Mais attendez, causez. Le Jésus-Christ dit Pierre comme ça, à disciples, à nous-mêmes. Il va nous dire ça. Les clés du royaume. Ça veut dire. Quand il y a un pile bagaille, nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu, nous ne prenons pas temps pour nous peser. Et parce que nous ne prenons pas temps pour nous peser, nous mourons pauvres, spirituellement et matériellement, alors que mon Dieu va nous proposer pour comment? Riche, spirituellement et matériellement. Et si là, Jésus-Christ dit Pierre, ça va balle clé au royaume. Il dit ça à disciples et à nous-mêmes directement. Ça veut dire Jésus-Christ bat tout le monde qui croit dans lui. Tout le monde qui croit que Jésus-Christ est le Christ. Le Fils de Dieu. Vous comprenez ça, Bayo? Parce que Bayo est la clé du royaume, ça implique que Bayo a un droit d'accord. Bayo a un droit d'autorité. Bayo a un droit d'accès. Bayo a un droit d'action. Ou gen droit, l'ou gen clé, ça implique qui ça? Ou gen droit. Mais qui m'a dit, pasteur? Comment sera-t-il moins gen clé ça, yo? Et yo bon moins, yo? Et m'pa ouais, j'en ai utile pour vivre moins. Ça va pas m'arriver que ou ap chachon bagay, ou ap chachon peigne, pour peigne, puis peigne dans tête ou? Est-ce que ça va m'arriver ou ap chachon plume pour écrire? Plume dans la poche, yo? Est-ce que ça va arriver ou on cherche une clé pour l'ouvrir porte caillou ou la machine ou après l'emmoué ou la valise ou dit bon Dieu m'a dit clé ça m'a fait et puis l'on regarde clé dans poche ou fouille poche combien fois ou pas douel ou t'a affolé ou et puis là regardez ou mettre bon clé sou pas servi avec c'est donc pas rien c'est ça m'le do ou mettre gain. Ils ont droit d'accord. Ou mettre gain, ils ont droit d'autorité. Ou mettre gain, ils ont droit d'accès. Ou mettre gain, ils ont droit d'action. Une clé n'a aucune utilité si elle n'est pas utilisée. Ou si vous ne savez pas comment l'utiliser. Mais mon guide pasteur, hey, on signe toutes les clés. Comment pour m'utiliser? Ma terminer rapidement. Gon attitude qu'on doit gagner. Pour clé royaume, pour clé, mon Dieu, maintenant, mon Dieu, ou qu'à utiliser, ou qu'à l'ouvrir pour sortir, ou bien pour rentrer, gon attitude que vous voyez. Écoutez bien,
disciples n'ont pas le recevoir clé ça un jour pendant côté là. Lorsque l'esprit de descend l'église sont des. Gain trois attitudes bien vite que moi petit bon Dieu de gain puis capable servir avec clé ça. Première attitude c'est l'attitude de la prière. La prière c'est pas seulement action proposer son attitude, son lifestyle. Ou connaît combien jours disciples étaient pour étape prier avant jour pendant côté arriver l'église sont pour que clé Jésus-Christ va être activé. Il fait 10 jours à prier. 10 jours à prier. Il était au nombre de 120. Et puis, je vous prends compte là, pendant il a prié, 10 jours après Jésus-Christ monte dans le ciel, un dimanche matin, 9h du matin, boum, on gros bruit fait. C'est l'esprit qui ça descend. Il y a une nouvelle mot. Même si Jésus-Christ est clair, sous pas yon monde qui toujours était dans le lifestyle of prayer, ou une vie de prière, ou pas jamais comme comment vous utilisez les ailes. Parce que ou pas prier. Et la prière, c'est ces outils. Bon Dieu voudrait nous-mêmes, nous besoin utiliser pour actif, pour permettre que clé soit utile. Jésus-Christ dit même dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, quand quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et non nous va celui qui frappe. Regardez, sous besoin utiliser, clé Jésus-Christ, bon déjà, même si on a mis ou besoin utile, regardez, faut capable passer temps avec bon Dieu dans la prière. Après, yon, gon deuxième attitude qu'on doit gagner, pour que clé yon qu'a servi, c'est la foi. La foi. Ou pas oublier ça, Hébreux 11, verset 1, il dit. Il dit comme ça, la foi est une ferme qui ça, assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6, là dans Hébreux 11, dit comme ça, sans la foi, il est qui ça, impossible de lui être agréable. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez bien, oui? Yon clé, bon yon droit d'accord, yon clé, bon droit d'autorité, yon clé, bon droit d'accès, yon clé, bon droit d'action, mais ou pas qu'à prendre droit sans la prière. Ou pas qu'à prendre droit sans la foi. Faut quoi? Faut faire mon Dieu confiance. Having faith in God means depending on God. Et mon troisième bagaille, moi je veux une code comme attitude pour que Cléo soit actif, c'est l'obéissance. L'obéissance. Dans Jean 15, verset 7, vous comprenez ça, Jésus dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Vous êtes causé. C'est pas seulement au monde dit comme ça. M'gain clé mon papa, moi crois dans Jésus. Alléluia, moi crois dans Jésus. Jésus qui se bon droit et c'est vrai oui. Il bon mon droit d'accord. Il bon mon droit qui ça. Il un droit et d'autorité. Il bon droit d'accès, il mon droit d'action. M'gain droit non croyez même il n'a pas qu'un droit, mais écoutez, grande attitude qu'on gagne pour droit capable exécuter. La prière, en nous toute la prière. La foi. Et puis, l'obéissance. On ne peut pas vivre n'importe qui jeune et puis pour que les activer. Non, on ne peut pas vivre n'importe qui jeune, non. Et puis, Jésus dit comme ça, sous demeurer dans moi. Paul, moi, dans où c'est obéissance, oui. M'en désolé. Et ma parole. Et puis, dans Jean 15, verset 3, pour tout le monde qui connaît qui est capable de fonctionner sans mon Dieu, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que dit, pasteur? Qui côté message ça mène matin? Mais côté mène pour me terminer. Gen quelques bagages ou à traverser ou pas obligé de traverser. Parce que vous avez une clé. Mandez bon Dieu pour l'aider. Mandez bon Dieu pour le faire. Mandez bon Dieu pour l'éclairer. Des fois, quand vous pensez problème, non, c'est pas l'allié. Côté ou pensez difficulté, c'est pas l'allié. Des fois, c'est l'autre côté pour aller chercher, pour jouer qui ça problème, non. Et c'est bon Dieu qui aide. Monsieur Alkaï, docteur. Il dit, docteur, tout comme a fait mal. Docteur a dit, tout comme. Il dit, tout comme net a fait mal. Docteur a dit, longez le tout moment. Monsieur, longez l'index. Docteur a dit, touchez tête. Il dit, oui, docteur, tête m'a fait mal. Docteur a dit, touchez les épaules. Oui, les épaules l'a fait mal. Docteur a dit, touchez l'estomac. L'a fait mal. Docteur a dit, touchez mon dos. Oui, docteur l'a fait mal. Barabayen. Oh, docteur a dit, waouh. N'est-ce pas un problème? Touchez le genou, la fait mal. Touchez le genou, la fait mal. Le monsieur touche tout le corps.
Li dit que la fait mal, finalement docteur a dit bon moi doit. Monsieur le docteur vous doit, monsieur dit quoi docteur a dit oh moi ça problème. Doit tout casser. Doit monsieur casser. Mais si problème monsieur c'est pas ni tête li, ni jambe ni, ni bras ni pied. C'est doit qui t'est cassé. Il était en souffrance dans doit. Chaque côté le pèse dans col, c'est pas côté qui t'a fait mal. C'est doit li. Regardez moi ici, li bien possible matin. Sans penser que le problème, ce n'est pas le problème. Mandez mon Dieu pour l'éclairer, pour savoir qui est le problème. Et puis servir à qui ça? À clé. Mon Dieu pour clé. Dis Seigneur, aidez-moi pour nous clé pour nous servir. Chaque situation marche avec qui ça? Clé. Lorsqu'on trouve son clé, chargé clé, il faut qu'on ait qui le soit utilisé. Ou qu'à camper de son porte-caille pour faire 10 minutes pour faire l'ouïe. Parce que vous n'avez pas de clé. Il est possible que clé porte la ligne en trousseau, mais vous n'avez pas identifié. Et parce qu'on n'a pas identifié, mon passé plusieurs temps devant votre là, ou avec ses clés, et puis ça va passer. Mais si maintenant, mais ça y est, oui, ou recevoir clé, ou recevoir la clé de vie, ou qu'on droit d'accord, et d'aime toujours non, ou qu'on droit d'autorité, et d'aime toujours, ou qu'on droit d'accès, et d'aime toujours, ou qu'on droit d'action, seul sans besoin de faire, mettez tout bagaille ça, dans le moule ça, la prière. La foi, l'obéissance, et puis dit Seigneur, montrez-moi exactement côté problème là. Pour que je sois capable de jouer une solution à lui-même. Mais matin, Mabdou, si vous là, ou pas un Jésus comme sauveur, ou pas un clé dans le monde, ou dehors du jour, je vais chanter avec tout le monde matin un chant qui est dans le feu, c'est dernier chant. L'homme marche avec Dieu dans la lumière par lui. Et pendant que l'homme chante ça, m'a demandé si quelqu'un qui l'a pas Jésus comme sauveur. Avant ce matin, dit matin, je vais déclarer devant tout le monde que Jésus-Christ est le Christ pour que je sois capable de sortir dans ce service-là avec Christ.